Guinée-Bia. Aimez, partagez et abonnez-vous. Peuple azali kolela Basileki Likola ba politicien ya moyibi Basileki Likola ba politicien ya kanyaka Basileki Likola nyonso koyoka Masakre na Beni Ituri Minembwe kokende Likola nyonso koyoka Bonjour. Bonsoir, balan d'émission, dépêche, émission et la cabine, bah, information à temps réel. Dépêche, et a présenté, nanga moko micho noka aspect spirituel, bopeto, nanzoto, pe namolimo. Dépêche, émission pe sa cabine, bah, information à temps réel, et le kakana AsTV, Media, YouTube, la chaîne incontournable pe, na AsTV Télévision na Congo démocratique. Na dépêche ya lelo tokolobela ba information nyonso leki durant des semaines oyo ya Congo tokomeka kotela bino ba information ba ba rataki yango ba meka kozwa ngo mais na ko sala penda ba analyse penda ya makasi penda te po lelo na eka kopesa ba information à temps réel. Président Félix Boyebi a outi tourné na ye a outi ou a sali tourné européen kouté na Macron biso tout talaki na sina lobela kiango mais après wana a sali interview a critiqué moi ba occidentaux mouke alobi il faut akene na ye pa ba risque to ba chinois parce que ba chinois ba zali penza ba tout moko bien na ba risque ba edaka ba tout na motema moko sans hypocrisie. C'est bon bien qu'on ça l'interview que le bapote bi Félix Tshisekedi dans le baranaé mais le problème en est action ezaka kato ke n'est pas ba chinois to mona OK et pas il y a ba russe nenge Burkina Faso akei Mali akei Niger akei mais ezaka ya malobate bo moni Niger akei bo mona a le on ba vidéo Niger akei na Burkina Faso bolimbisi Niger akei na russe. Bota la nenga ba soda ris, baza koya na Niger ko forme, ko tsaba équipement et sécurité, oge ba américain, ba français, ba koyi ko mekate. Alors, président Félix aza ko lobanaye, en tout cas, action ne eza important. Mais li kamoko kamwa, eza pe na vidéo moke tamboli, na ba réseaux sociaux, pe na ba photo, nzoka président Félix tamwa kende ki, kokuta na Macron, Kagame pa tinda ki representant na ye mwasi moko. Likamako kamwa ba kongole mousou ba sal analyse na kotiango awa. Tang Félix a ye bayambi Félix. Après mwasi ya Macron a bengi femme wana. O ya Rwandaise. Ba ya pe ko kanga photo na Félix. Makam nini o ba solola ki na Félix seke ni nakati. O pepe kongole a ye bite. Ya wana pepe kongole a zana confusion makasi. Pepe kongole a zomona ke Félix. A zana ye complice na ba guerre wana. Parce que jusqu'à présent, aza ko zwa décision te ba botoli ba mboka nyos. Koutou ndenge na zo sala émission boe, na moma o mboko ba ote ko botola Rubaya, na moma oyo, ezali village mboko ya ba minere, na moma oyo, ba minere, ba sali comptoir place wane ya koteka ba minere, apre koteka ba minere, eza ko kenembala mboko na Rwanda. Bato bazali ko timola ba minere bazali ko teka le kilo na $85 mais na moment na zoe sabino ke Rwanda a yebisi ba creuser ya ba mine le kilo e komi na $50 soki ba teki yango na comptoir e ke na Masisi après e ke yi Rwanda mais président Félix aza ko loba tolingi to mona action a kene na Russie ndenge Niger uti ko kende mikolo oyo. A part Rwanda, on a une interview au Félix Tshisekedi à Salaki. Alors, il faut changer la constitution. Il y a une constitution qui a changé à présent Félix et Pessi Mboutou Mboutou. Selon l'analyse, selon la recherche, il y a des Congolais qui sont contre le changement de la constitution.
na ba commentaire partout ba congolais bazako lobake ce n'est pas la priorité ya ko changer constitution constitution eza na tina te bazako ba ke président Félix a ki ma côté a le côté en constitution te soka zo ko kama kambuté a démissionné à cause de la constitution ya batu makambuté parce que constitution ya monde comme ça que président na 2018 constitution ya monde comme ici président na 2023. Alors, si on a changé la constitution, le peuple a contre yango, si on a changé la constitution pour le troisième mandat, en tout cas, peuple, majorité à peuple, on a changé contre message à Félix, tu sais qu'il a changé la constitution, si on a démissionné, la constitution est la priorité, priorité dans le mandat, oyo ezali assis à guerre, priorité dans le mandat, oyo ezali social à peuple. Priorité dans le mandat où ils infrastructure. Alors, ce sera un côté attique. Union sacrée, c'est la formation aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba Lobi, ce qui Félix a terminé la constitution, il a conduit un côté. Mosso, Bahati, Samalou Konde, Vital Kamere, la police, il a murmuré contre côté de la constitution. Bemba a contre un changement de constitution pour le moment. Kamere, Bahati, Mboso, baza contre yango, na moment où union sacrée explosion, bon, quand mon gouvernement n'est limité, union sacrée et panzani. Nicolas, la constitution, bango tout baza contre l'ikambouana. En plus de cela, société civile nyoso, eza contre l'ikambouya, changement de la constitution. Christian Mwanda, ça qui intervient dans RFI, dans la société civile, basali contre le changement de la constitution, balobi, Félix Tshisekedi, Moussanega, Sora Kokili Kambouté, oh, Eza Constitution, Sora Kokili Kambouté, oh, Eza FCC, Sora Kokili Kambouté, oh, Eza Kabila, oh, Sora Kokili Kambouté, oh, Eza Mbombo, Sora Kokili Kambouté, oh, Eza Inter. Donc, hier, Sora Kokili Kambouté, Aza Kokende, ko pesaka charge na batu. Yango babi loko na zo kokate alinga pesa ke constitution mteza ko bloquer ba telemelie ce n'est pas le moment yako changer constitution priorité na campagne na ezala ki changement ya constitution te bokola na interview na bango awa ndenge za boye explosion déjà bon to grenade evani na union sacrée e ko panza union sacrée tant gouvernement ko bimawa e ko panza union sacrée tant ba ko simba constitution Bokolandango na dépêche ya lelo. Na vidéo lelo Bokolanda Jean-Pierre Bemba asesola ki na ba groupe rebelle kuna na Ituri parce que ba groupe rebelle communautaire forme ka ba wazelendo bazali ebele bazali ko boma bango na bango ko boma pe ba civil. Yango Jean-Pierre Bemba kitaki na Ituri ko solala bango ko meka ko bisango ba tika ko boma ba civil po ekoki ko affecté gouvernement un jour na makambo na communauté internationale na ba tribunal international Bokolandango awa Bokolanda vidéo ya ba déplacer de guerre bomo na ndenge ba déplacer de guerre bazai ko déplacer avant village ya Rubaya ezala tombe bomo na pe ndenge bana bazali ko souffrir o bazaba ba déplacer de guerre bomo nango awa lelo. Bokomo na pe lisusu na video lelo bokomo na mukonzi ya bawazalendo aza ko pesa moral na bawazalendo koma bawazalendo bakoiko se comporter bawazalendo bakoiko se comporter ndenge ni bokomo na pe bawazalendo basali pe video balobi baza déterminé qu'il neige ou qu'il pleuve bango bako défendre territoire congolais mabele ya mboka. Bokomo na pe vidéo lisusu to retient la bino ba réfugié oyo bazaka na Angleterre fallait ba kende Rwanda basi ba kotaki na bus po eme mabango na aéroport eme mabango na Rwanda mais ba groupe d'opposition ba groupe oyo bundela ka ba réfugié et telemaki et kalaki bis wana mwe bis wana ekende ezalaki te to ebite ekosuka ndenge nini bokola nango na vidéo lelo. Bokolanda pe gouverneur à FARDC, ya Nord Kivu, yé pas sali déclaration après ba bombardement. Bokolanda, message na ye, nazana mingi lelo pende ako komantete, Bokolanda, yango lelo,
na depeche ya lelo. Il y a toujours ce regard condescendant vis-à-vis de l'Afrique et des Africains et ce comportement un peu paternaliste qui consiste à croire que eux savent de quoi nous avons besoin mieux que nous. À quoi vous le voyez, exemple ? Et donc c'est ce sentiment que nous avons. Mais voilà, par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de l'agression dont nous sommes victimes. Nous demandons à ce que la communauté internationale se comporte comme elle le fait dans le cas de la Russie, pardon, dans le cas du conflit au Moyen-Orient. Elle nous dit non, c'est pas la même chose, on va pas le faire là. Alors que nous avons les mêmes victimes de massacres qu'il y en a en Ukraine et ailleurs. Donc, on nous dit que c'est pas la même chose. Eux, donc, savent de quoi nous avons besoin, alors que nous, nous réclamons des sanctions. Donc, et cette guerre, elle nous est imposée pour des raisons évidentes de pillage de nos minerais. Ces minerais, on sait où est-ce qu'ils terminent, donc dans les firmes des multinationales occidentales pour la plupart. Donc c'est connu et on ne sanctionne pas. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr. Aujourd'hui, en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël ? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger ? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Bientôt, il y aura à nouveau un forum où les Africains seront conviés avec les Russes. Est-ce que vous irez ? Oui, je vais m'y rendre, oui. Ce sera peut-être en juin. En juin, je crois. Voilà. Pourquoi maintenir ce lien ? Pourquoi est-ce que vous le maintenez, même si tant d'Occidentaux voudraient ? Mais parce qu'eux le maintiennent aussi. Les Russes veulent de l'amitié avec l'Afrique et avec la RDC. Pourquoi est-ce qu'on va la leur refuser ? Il n'y a pas de raison. La progression de Wagner en Afrique ne vous fait pas peur ? En tout cas, en République démocratique du Congo, Wagner n'est pas là. Pourquoi est-ce que j'aurais peur pour les autres pays ? En tout cas, je n'ai pas vu de massacre ni de pillage de la part chez vous. De Wagner chez moi, donc je n'ai pas à avoir peur. Le Rwanda est plus un épouvantail pour la RDC que Wagner. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes ? Ça, c'est une bonne question. Les islamistes, d'abord, ils ne sont pas désirés. La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Pour moi, le plus important, c'est de réajuster le point de vue, la manière d'aborder la coopération, les partenariats, ne plus nous considérer comme des sous-hommes, mais nous regarder comme de vrais partenaires avec qui on peut faire affaire positive, constructive, et non pas toujours comme de dominé à dominant. Mais Monsieur le Président, ça, pardon. Si c'est reconsidéré, je crois que ça peut changer les choses. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique ? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, Occidentaux, actuellement, selon vous ? Mais bien sûr. On ne comprend pas très bien les réalités africaines. Et c'est vraiment dommage, parce que moi, j'ai toujours dit que l'Europe, par exemple, c'est le meilleur partenaire de l'Afrique, par son histoire et aussi par sa position géographique. Nous sommes deux continents qui sont très proches. Mais c'est étonnant de voir comment nous sommes très loin par rapport aux cultures. Mais comment, pardon, on ne peut pas comprendre qu'on vienne nous donner des leçons, par exemple, sur les droits de l'homme. Interrogé par des membres de la diaspora à Bruxelles sur une éventuelle modification de la Constitution, le président Tshisekedi n'a pas fermé la porte et a déclaré vouloir une Constitution, je cite, « digne de notre pays ».
L'opposition craint déjà que le président puisse ramener à zéro les compteurs de ses mandats. Le député Christian Mondo dirige le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. C'est une tentative de troisième mandat et ça, on ne peut pas l'accepter et on ne l'acceptera pas. C'est un manque total de leadership. Le leader est en voyage. Tshisekedi doit prendre ses responsabilités pour la République et ne pas toujours mettre la faute sur les autres et ne pas mettre la faute sur les textes. Les textes sont clairs, les textes sont bons. Avec une majorité qui est stalinienne, il aurait dû mettre le pays en ordre et il ne l'a pas fait et il n'a pas à accuser personne, ni même la Constitution. Jean-Claude Katende de l'AZADO, l'Association africaine de défense des droits de l'homme, estime que par cette annonce, le président franchit les Rubicons. Même au milieu des membres de l'Union sacrée, il y en a plusieurs qui n'accepteront pas que le nombre de mandats soit changé, que la durée du mandat et le mode de désignation du président changent. Ouvrir cette porte donnerait de la légitimité à toute personne qui recourirait même aux moyens non légitimes pour défendre la Constitution. Depuis son investiture en janvier dernier pour son second mandat, le président Félix Tshisekedi n'a eu de cesse d'imputer à la Constitution les retards dans la mise en place des institutions politiques. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI. Na lobi boye, moto nyonso to soda aza na troupe nayo, to aza na groupe nayo, unité nayo. Soki aboto li biloko ya banto akoti na kalasi akoti na wenze ake ko sala makamone to apie zwa montoana yaka na ye sika biso to zali to tindika ye wapi to tindika ye na justice parce que mission na biso eza ko batela population elle est bien yakoba kisa soki omoni monto azui mwasi na makasi to a influencer ye na mbongo. Zwa mtuana kende kotie na maboko na biso to tindika ye. So ki eza civil toko tika na maboko ya police. So ki eza soda toko tika na maboko auditore zali yao. Toka ni? Boe! Ça, c'est la colline de Ndoulou, juste la colline supplémentaire de la cité de Bitonga. Et juste en dessous de la montagne locale que vous voyez ici, les forces de Wazalendo sont pirement mobilisées pour barrer la route de l'ennemi qui voulait déborder vers les sites Kivu, précisément à Minova, Numbi et continuer jusqu'à Bukavu. Les Wazalendo sont déterminés, les forces de Wazalendo sont déterminées. Vraiment, nous demandons à la population, les autorités politico-militaires, de faire le tout possible pour accompagner ces forces et ne pas laisser Kagame à conquérir notre sol. Nous sommes déterminés pour ça. Et les forces de Wazalendo sont déterminées de poursuivre l'ennemi partout là où il va se cacher. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes dans le haut plateau de Bitonga. La cité de Bitonga est déjà récupérée. Tous les villages qu'on a publiés depuis l'aventure que l'ennemi occupe, il a déjà été délogé et l'ennemi prend la direction de Murambi où nous sommes en train d'aller pour lui chasser aussi de Murambi parce que nous ne pouvons jamais laisser même une partie de notre sol occupée par l'ennemi. Merci beaucoup. Bien alobaki na kozonga sikoyo pona kutana na ba groupe communautaire nyoso parce que je pense que Kimia et que ça la matin quand il a ba groupe armé soki ba communauté bazali impliqué n'est-ce pas toyoki makamo ebele ko soit de kaki et c'est pas la première fois que nayoki yango 23 ans après mbula tukumi balé na misato tozali ko zonga lisusu awa na bunya wana ko loba lisusu les mêmes problèmes o nayokaki déjà na mars 2001. Bozo boma bato gratuitement. C'est bozo commettre un des péchés, un des bozo violer un des commandements, un parmi les 10 commandements au Zabatiki, la Bible. Te ça la prière awa. Je crois à Montonio surtout à Sambelaka. Makamo ils ont les cas awa vraiment ils ont les cas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre le quoi là. Que respect à moto. Bozo n'angote. Respect à vie à moto. Bunonde bo créer bateau baza la mokilo été. Ça vous appartient pas. Ils ont les locaux ils ont appartenu dans Zambé. Mais bozo bomango, comme si binonde bakolo ya mokili oyo. Alors, en tant que gouvernement, autorité au Zaba PCBiso na mokili oyo,
on ne peut pas assister, on ne peut pas être complice na makambo ezoleka awa. C'est-à-dire que soki toyoki que moto asali mabe abomi moninga et que buso l'état totiki ndenge wana, c'est-à-dire que un jour aussi tu te rendre compte ba na bino mais yo ozwa ki bokondo ozwa ki na pouvoir ya ko stopper biloko wana o stopper ngote po la nini ba otu na pe biso. Et ça je vous dis soki eloko wana ezo salama na lobaki awa to na le kaki ya poso ya liboso biloko to ko si sango degré ou de force bolinga bolinga te e ko salama lisusu. L'État congolais veut nous aider à Goma. À Goma, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas ici à Goma. Veut nous aider. Parce qu'il y a également, selon des sources que nous avons rencontrées, des militaires qui sont en train de tirer sur des civils. Ouais, on en a et d'ailleurs, tu vois, la première délégation de gens qu'on a vu, c'est là qui sont en train de marcher, c'est la population qui est en train de manifester parce que les militaires ont tiré sur les civils. Il s'agit d'une fille d'un déplacé. Ils viennent des champs à la recherche de quoi manger. Un bébé au dos. Voici les conditions que vivent les déplacés de Kanyaruchinya. Mesdames et messieurs, nous sommes un peu plus loin de la ville de Goma. Les gens que vous voyez, qui montent et qui continuent, ce sont des déplacés venus du territoire de Rutshuru, les autres sont venus de Nyiragongo, les autres sont venus du territoire de Masisi. Ils ont fui les affrontements du M23. Ils ont trouvé refuge dans la ville de Goma. Un jeune qui s'appelle Omunja Manassé, entrepreneur de la ville de Goma, les a pris ce matin et les conduit tout droit dans les champs. Aujourd'hui, nous sommes le 2 mai 2024, un jour fatidique pour la ville de Goma parce qu'aujourd'hui, des tonnes et des tonnes de pommes de terre vont être déversées dans la ville de Goma pour que les populations consomment encore une fois bio grâce à ces jeunes entrepreneurs. Mais grâce également à cette main d'œuvre, les déplacés qui viennent pour donner le coup de main. Ils vont gagner quoi? Ils vont gagner un peu d'argent. Ils vont aussi gagner un petit colis de pommes de terre pour un sourire. Parce qu'ils n'ont rien presque. Un modèle à suivre pour les autres jeunes de la ville de Goma, du Nord Kivu, de la RDC. Mais aussi un message fort pour le gouvernement congolais d'appuyer ces jeunes. Mwone wandugu wapenzi.
Bitonga yote mejividula. Hivi, huko kwa wenye wako na viona? Ndi. Wenye huko na vionesha? Ndugu mtazamaji, ukaona hii video, antoka ni uzuni sana. Mwone wa ndugu wapenzi hawachague tena njia ni mushamba ni mumiogo ni kukata njia lakini kila mtu. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal c'est la terreur. Et comme d'habitude dans les actions des terroristes, les Rwanda et leurs supplétifs M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons les bilans que nous sommes en train de communiquer qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du Fonarev qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec Fonarev. Quand est-ce que les policiers vont commencer à craindre les citoyens? Quand est-ce que les chefs de l'État, les ministres, les députés vont commencer à craindre le peuple? Nous ne pouvons pas passer à longueur de journées entières en priant. Dieu change notre pays, mais réclamons nos droits. Les dirigeants ne peuvent pas être bons demain. Nous devons les aider. Bon, en refusant d'être des fanatiques, en leur montrant à tous le chemin qu'ils doivent suivre, si nous les aimons. À la maison, nous aimons nos parents, non? Mais nous avons parfois eu des postes téléviseurs parce qu'un jour nous avons réclamé, un jour nous avons dit trop c'est trop. Au papa qui nous a mis au monde, nous lui avons dit trop c'est trop et il a agi. À la maman qui nous a mis au monde, nous avons dit trop c'est trop. Nous avons mangé une semaine les feuilles de manioc. Nous en avons eu marre et nous avons parlé. Et maman s'est débrouillée, elle est allée chercher un peu de poisson. Nous avons mangé du poisson ce jour-là. Ça vous est déjà arrivé? Mais vous n'avez pas créé une opposition contre votre maman. Mais vous avez réclamé votre droit. Et maman a compris. Alors la même chose.
Parce qu'il y a des gens qui croient que aimer les chefs de l'État, ça veut dire ne pas réclamer son droit. Faut réclamer. Il faut lui montrer que nous sommes pressés, nous les Congolais. Ah, ne soyez pas pressés. C'est seulement une... Non, non. On ne doit pas attendre 18 ans pour que les choses changent. On doit avoir des signes. Quand vous prenez le pouvoir, donc vous devez avoir la volonté de faire de changer les choses. On doit voir que les lignes sont en train de changer. Même si on n'a pas tout, mais on doit voir quand même, ah ça, ça commence à changer. Même l'esprit a déjà changé. On doit sentir, le Congolais doit sentir. Et ça, nous devons le faire. Même si nous avons voté pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Nous devons leur montrer, c'est ça, enlever la pierre, les aider à devenir des meilleurs dirigeants. Mais si nous disons, voilà, comme nous avons voté pour eux, c'est nous qui les avons élus, nous nous taisons, nous leur donnons du temps. Ils ne feront rien. Ils ne feront rien. Le peuple doit être très, très, très sévère. Regardez des pays comme les États-Unis. Ils sont déjà bien, nous les envions. Mais... partager vos commentaires depuis que j'ai l'émission à venir la cabine aux informations à temps réel bon bon s'en attend à outil en Belgique kokutanana kabaïdi ou à kabaïdi ou à zalaki ancien gouverneur à ville à Kinshasa ou à zalaki membre du comité central ou à zalaki parmi bat ou et initia qui toba fondateur ya MPR tout ça une émission à l'obéli makamwa mobutu ya Lumumba. Alobeli makama Félix Tshisekedi alupesi pe conseil na tango ya dirigeant ki ville ba mibeko nini oyo ye azwaki soki na no s'abonner po kalate tokotia ba émission na kaka semaine oyo po na lelo na suki saka toujours na losambo na lobika ka Nzambe tata Sunga Congo Nzambe tata Kamba Congo po elikia na biso na moto moto azane kaka moto peuple a tiré qu'il y a un bakondi, tout ça comme une solution. Il y a un autre tourné mis sur la biseau vers le panneau Nzambe Tata,
nzambe na nguya bino pe baibola na baza promo santé promo maladie ete na tiki bino na maboko ya nzambe tata pona lelo ngana bino tosuki a ndeto kutani na ba depeche ezali koya babae. Azali kolela Baseleki Nikola ba politicien ya moyibi Baseleki Nikola ba politicien ya kanyaka Baseleki Nikola nyoso koyoka Masakre na beni Ituri Minembwe kokende Nikola nyoso koyoka Namboka Panzela ezate Gele sage Maya mikoba Peple azali kolela Baseleki Active Media Aime, partage et abonnez-vous.